Cucumelulot. Je sais que vous détestez les longues vidéos, alors je vais la faire assez courte. La vidéo, c'est pour vous donner des astuces pour ne pas grossir de partout. Avant de commencer, j'aimerais vous faire comprendre que quand tu prends du sirop pour grossir, tu vas grossir de partout. Le ventre, le menton, le cou, les bras, partout, partout, partout. C'est pourquoi je fais la petite vidéo, parce que nous les femmes, vous savez qu'en Afrique, on aime les rondeurs, mais on n'aimerait pas se retrouver avec un gros ventre. Ce qui est le cas des sirops. Ok. Ici, quand tu veux uniquement une poitrine opulente, comme on dit, utilise uniquement ce truc-ci. C'est de l'huile de fenugrec, en fait. Qu'on massage sur la poitrine, matin, midi et soir. Ou alors autant de fois que tu veux dans la journée. Quand tu peux, tu fais ton massage de même 15 minutes, c'est suffisant. Pendant jusqu'à voir les résultats. Ce que moi je fais, c'est que j'ajoute de la poudre de fenugrec là-dedans. Donc, quand la bouteille elle est pleine, je diminue de l'huile quelque part. Je complète avec la poudre de fenugrec. Je remue bien, j'en fais une pâte en fait. C'est ça que j'utilise. Voilà. Ça, c'est pour les lolos. Et pour le derrière rebondi, comme nous on aime les rondeurs ici en Afrique, comme je dis, ceci c'est une gélule d'huile de foie de morue. À utiliser comme suppositoire. C'est un peu comme ça. Voilà. C'est de l'huile de foie de morue à l'intérieur. À utiliser comme suppositoire pour un derrière bien rebondi. Ok? Comme ça, il n'y a que comme ça que le ventre ne va pas grossir. Il n'y a que comme ça que le menton ne va pas se mélanger au visage. Il n'y a que comme ça que le cou ne va pas se mélanger au menton. Parce que les sirops là. Tu prends le sirop le problème avec du super appétit dont j'ai déjà parlé dans les vidéos, c'est que ça fait grossir de partout. Mais j'avais donné une astuce, c'est que quand c'est du super appétit que tu prends, tu vas devoir acheter un serre-ventre. Pendant les 40 jours de traitement avec le super appétit, tu utilises le serre-ventre. Jusqu'à la fin du traitement, parce que bon, pour empêcher les graisses de s'installer au niveau du ventre. Voilà. Ici, c'est les multivitamines, hein, qu'il faut prendre pendant le traitement, que ce soit avec de l'huile de fenugrec ou avec l'huile de foie de morue. Bon, ensuite, beaucoup de vitamines dans l'organisme, ça fait toujours du bien. Donc voilà, pour pas grossir du ventre, moi je vais pas me répéter, j'ai dit ceci c'est pour la poitrine. Massage, voilà, avec de la poudre fenugrec à l'intérieur, et ceci en suppositoire. La durée. Les suppos, c'est jusqu'à ce que tu aies le volume souhaité. Voilà. Tant que tu n'as pas encore le volume que tu veux, tu continues avec les suppos. Le suppos, c'est un par jour. C'est une gélule de foie de morue par jour en suppositoire. Comme suppositoire, d'accord? Oui, mais si vous n'avez pas bien compris la vidéo, vous venez sur les commentaires, poser les questions, je vais répondre. Voilà. Je vais faire les épisodes. Je sais que je ne réponds pas toujours, mais c'est parce que vous aussi, vous êtes des abonnés fantômes là. On publie un truc, c'est à peine si vous regardez, ce qui fait que moi aussi je n'ai pas le courage de venir répondre à ceux qui prennent la peine de poser des questions dans les commentaires. Mais je vous promets que sur cette vidéo-ci, je vais faire des efforts de répondre à toutes les questions. Ok, mes loulottes. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Bisous.